c'est les leçons de fierté, de résistance, de liberté, de personnalité, de décider ce qu'on veut. Bon, est-ce que c'est ça que nous copions comme leçon de Gaulle? C'est ça normalement qu'on devrait copier. Il a résisté parce qu'il ne voulait pas être vaincu. Il voulait être debout, sauver sa patrie. Le général de Gaulle a toujours été, tout le long de sa carrière, depuis son origine jusqu'à son terme, un grand communicateur et a utilisé la communication politique, les médias, dans leur modernité de l'époque, pour faire passer les messages les plus importants qui ont été ceux qui ont jalonné sa carrière de résistant. Le fait que Brazzaville ait pu abriter la radio de la France combattante a permis à Brazzaville d'acquérir cette tradition radiophonique qui a fait les grandes heures de la période qui part de 1940 jusqu'à nos jours. À l'initiative du groupe de liaison Afrique-Europe, que dirige l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, la conférence organisée dans la capitale congolaise à l'occasion de la commémoration du 77e anniversaire de la proclamation de la ville de Brazzaville comme capitale de la France libre le 26 octobre 1940 par le général de Gaulle, au plus fort de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été marquée par des évocations et autres discours sur cette partie de l'histoire des relations franco-congolaises,